Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu peut-être le voir dans le titre, je suis accompagnée aujourd'hui de Lucy. Yeah. Et donc avant de commencer, si vous n'avez pas vu, il y a aussi une vidéo sur sa chaîne, mais vous pouvez la voir soit après, soit avant, peu importe, vous l'aurez en barre d'infos, voilà, et tout à fait aussi. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tabou. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le jeu de tabou, c'est en fait un jeu où il faut faire deviner un mot avec une liste de mots qu'on n'a pas le droit de dire. Enfin voilà, vous allez comprendre au moment. Bon, le tabou est un jeu quand même assez ancien, donc si vous ne le connaissez pas, il y a un problème. Ah bah peut-être que vous n'êtes pas familier avec les jeux de société. Mais bon, franchement, c'est un bon jeu, vous devriez essayer si vous ne le connaissez pas. Et nous avons un... Des cartes. En fait, nous ne l'avons pas. Ouais, nous l'avons maintenant, c'est un sablier. Et en fait, nous avons donc une minute... 30 secondes, une minute. Une minute pour faire deviner le plus de mots, et celle qui en a le plus, et bah voilà. Bref, vous avez un petit peu compris la gesture, tu vois. Orange ou vert? Orange ou vert? Vert? Vert. Ok. Let's go. 1, 2, 3, go. Animal de Victor Dixen, c'est un conte de... À la base? Perrault? Non, mais il est tiré, le nom du conte c'est... Ah, boucle d'or. Sur ton PC... J'ai pas de PC. Sur ton Mac, tu as des touches pour augmenter ou diminuer... Le son. Synonyme. La luminosité. Synonyme de son. Le son. Le bruit, le... Le son. Non. Synonyme de son. Bah, mais pareil, sur la télé, parfois, tu peux augmenter ou diminuer. Bah, le son, la sonorité, Non. Je vois pas d'autres synonymes de son, clairement. Genre, parfois aussi, la musique, elle est... Forte. Ou... Basse. D'accord, et donc tu augmentes le... le son. Je la mets en dessous, tu l'auras sûrement pas, okay. Mais c'était le volume. Ah, le volume. Mais continue, c'est 30 secondes. Continue vite. Non, je suis dans la merde. Ouais, c'est pas grave, continue quand même. D'accord, sur le visage. Ouais, il y a un nez, il y a une bouche, il y a des yeux. Non, quand tu mets du fond de teint, c'est pour... embellir le visage, pour cacher les rougeurs. Non, c'est parfois tu peux les avoir plus ouverts que d'autres. Les pores. Voilà. Je sais pas. Putain, c'est dur quand tu dois pas dire ces mots. Ouais, t'es fait. Putain, je peux pas dire ça. Quand tu es diminué, parfois tu es diminué. Je sais pas ce que ça veut dire quand t'es diminué. Ok. Bon, du coup, t'en as fait deux. Ouais. Très bien. Bon, bah, ceux qui sont du coup les verts. Bon, bah, compte. 1, 2, 3. Oh putain. C'est le printemps. Et il y a quoi le printemps qui arrive? Les fleurs. Voilà, c'est un type de fleurs. Des tulipes? Non. Des... Ça se trouve dans ton jardin. La plupart du temps. Marguerite. Voilà. I have no idea what this word is actually. Don't know that. Oh, alors ça c'est un quelqu'un que tu vas voir quand t'as des douleurs musculaire. Un kiné. Autre chose. Ostéopathe. Voilà. Alors ça c'est qu'est-ce que tu es toi là? Une fille. Ouais, mais chez moi. Une invitée. Voilà. Tu l'as pas vu? Non. Ça, c'est... tu vois... non, ça doit pas être une bonne idée, ça. Si, la tour de Pise. À Rome? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que on peut dire autre chose que la tour de Pise? La tour Montparnasse? Non. La tour Eiffel? Non, en hauteur. Comment on peut appeler ça un peu, genre, si c'est plus fin? Un obélisque? Non, mais genre... le Panthéon, il y a des... colonnes. Voilà. ça, c'est... quand tu...
je couche. D'accord. Non. Oh putain. Bon bah du coup on recommence, on n'a pas assez joué. Faire un deuxième tour. Un deuxième tour. Voir un troisième. Voir un troisième parce qu'on est comme ça. Donc. Allez, 1, 2, 3. Ah, pour la nouvelle année, tu envoies des cartes pour... Sauter les vœux. Les vœux. Voilà. Ah bah ton chien... Golden Retriever. Non, devant, tu veux lui couper sa... Crinière. Je sais pas que je veux la couper, mais c'est parce que c'est long. Il bave beaucoup. Quand il neige, ouais. Pour protéger les enfants, tu les habilles K-way. Avec une... Une parka. Non, K-way. Quand il neige. Tu sais, quand tu vas... Mais il neige jamais. En montagne. J'avais pas la neige en montagne. Mais si, mais tu sais, ils ont les casques, ils ont les trucs aux pieds. Une combinaison. Voilà. Ébéniste. Le bois. Ouais, le monsieur qui travaille ça? Bah l'ébéniste. Bah non, autre. Bah plus dans tout ce qui est maison, immeuble. Bah ouais, mais j'ai un trou là. Non. Un façonnier, dans ta maison, tu as des... Poutrier. Ouais, alors c'est pas des poutres, mais c'est l'ensemble, ça fait des une. Hein? L'ensemble... Un squelette. Non, je sais pas, passe. D'accord. C'est une variante d'une couleur. Genre, tu vois, le chartreux, c'est du. Non? C'est du mal. Rouge, c'est, oh. c'est. Putain, je peux pas dire ça. Et bah, t'as pas le livre que je voulais. genre, un peu. Émeraude! Non. Une autre variante de cette couleur. Putain, vert, émeraude. Jade. Ok. Alors c'est des trucs. C'est des endroits où quand t'es célibataire et que dans ton appartement. Speed dating. Non. Ou dans ton appartement tu n'as pas forcément de trucs pour. Laisse tomber. Ok. Donc là c'était le début du deuxième round. Ok. Ouais. 1, 2, 3. Merde. Donc ça, ah oui, c'est un péché. Ah, oh, je devais pas le dire. Crap. Alors ça, c'est ce que je risque de faire quand on est toutes les deux, qu'on fait des challenges, généralement. Perdre. Voilà. Alors ça, c'est un objet que tu peux porter. Un sac à main. Non, mais j'ai pas le droit de dire le mot, donc. Et en fait, c'est. Ça te rend plus grand. Des talons. Un autre mot que. Des échasses. Des chaussures mais... à talons. Oui, mais l'autre mot pour ça. Des espadrilles. Des escarpins. Voilà. Alors, ça, c'est. Ok, donc l'été, ouais. Quand tu as envie de te rafraîchir, tu vas dans un endroit. Bon, la mer. Voilà. Et ça, c'est un gars ou une nana qui surveille. Maître nageur. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que t'aimerais, à mon avis, avoir quand t'as un métier qui est vachement... et pour pouvoir aller fumer ou un truc du genre. Une pause. Voilà. Ça, c'est toi. Une fille. Ouais, mais chez moi. Une invitée. Ouais, mais le nom, plus long. Une invitée... Non. Une invitation. Voilà. Alors, ça, c'est un truc que tu vas faire quand tu vas au PMU ou au tabac presse pour gagner des sous. Parier. Non, avec une grille. Bingo. Oh, you kidding me, seriously, you can't... Ok, troisième round, dernier round. 1, 2, 3, go! Le masculin, le papa de Bambi. Un fan? Un pan? Un fan, ça c'est Bambi. Ah bien. Sa maman c'est... Une biche? Et son papa un c'est... Un renne?
Non. Serre. Voilà. Je suis pas très bonne. Quand, par exemple, tu es dans le métro, des fois tu as des annonces qui sortent des enceintes. Synonyme. Putain, elle me saoule avec ces synonymes, je vous jure. Des dans les stades aussi, quand ils font des microphones, des... Non. Ah, je vois ce mot. Passe. J'ai un truc de mémoire. Ah, ok. Plafond. Ouais. Le contraire. Sol. C'est quelque chose que l'on se dit lorsqu'on se sépare, mais qu'on va se revoir. À bientôt. C'est une ville aux États-Unis où tu perds beaucoup d'argent. Vegas. L'ensemble. Las Vegas, c'est bon. Tout le monde dit Vegas. Quand tu prends ton petit déjeuner au lit, on t'apporte ça sur un plateau. Impossible. c'est quelqu'un qui fait le ménage dans certains bâtiments et qui est payé pour et qui... Un homme d'entretien. Non. Et qui fait plus que ça parce qu'il vit dedans aussi. Ah, j'ai un gardien. Synonyme. Tiens, je l'ai quand même mentalement. Oui, mais en fait, on doit les compter, ça compte moins 1. Ah merde. Ouais, j'ai la même moi. Alors, 1, 2, 3. Ça, c'est un truc en rapport avec les mois où tu nais. L'anniversaire. Non. Les fêtes. Astrologie. Ah, les signes du zodiaque. Ouais, mais en fait, il faut que tu m'en donnes un. Capricorne. Non. Bélier. Non. Taureau. Non. Cancer. Non. Lion, non. Vierge, Balance. Ça commence par la même lettre que Vierge. Verseau. Ça c'est quelque chose qu'on t'a demandé il y a pas très longtemps. Que t'envoies à quelqu'un. Un cadeau. Non. Un livre. Que tu fais avec un stylo. Un swap, un mot, une carte. Ouais, mais quand t'es. Une dédicace. Ouais, voilà, c'est autographe, mais c'est pareil, on s'en fiche. Ça, tu en as quand tu vas à Leclerc, par exemple. Tu dois passer où avant de sortir de Leclerc? La caisse. Voilà. Oh putain. Alors ça, c'est un poème. Et c'est aussi un animal qui vole. Un aigle? Non. Plutôt dans le littoral. Une mouette? Autre chose. Un goéland? Autre chose. Un poème, c'est un poème aussi. truc rose, là. Merde. Non, c'est pas un truc rose, non. Passe? Ouais. Je sais pas ce que c'était. Alors, ça, c'est ce que tu vois quand tu... Les étoiles. Voilà, et ça forme quoi, les étoiles, parfois? La galaxie. Non. L'univers. Non, que tu regardes. La Voie lactée. Non. L'aurore boréale. Et que tu peux connaître plusieurs d'entre elles. Ah, les constellations. Et ça, tu l'utilises pour enlever ou pour... Ah bah, c'était chaud, les copains, hein. T'en as plus que moi, je pense. Je ne suis pas sûre, et en sachant qu'il faut compter moins un, parce qu'il y en a un, ouais, on a dit... J'en ai moins un aussi. Donc il y en a un qu'on devra faire moins un. Plus que moi. Donc j'en avais 13 et avec le moins 1 j'en ai 12. J'en avais 10 et avec le moins 1 j'en ai 9. Ouais, j'ai gagné. Bon, mais c'était quand même une bonne partie. C'était drôle, ouais. C'était pas mal. Mais c'était quoi l'oiseau? Albatros. J'aurais jamais trouvé. Ah ouais? Non. Quand tu m'as dit poète, je suis... Bref, donc voilà, c'était... je suis contente, j'ai dit, ça arrive pas tout le temps, alors voyez. Mais non, je trouvais ça sympa, parce qu'en plus, ça fait... Tu vois, bon, par contre, les synonymes, va falloir que je les révise. Je vais offrir à Justine un dictionnaire de synonymes. Hein. C'était quoi le truc du gardien, du coup? C'était concierge. Ah, mais c'est ça. Et c'était plus... haut-parleur. Ah, mais non, haut-parleur, tout m'aurait dit téléphone quand tu veux entendre quelqu'un. Non,
c'est quand tu mets le téléphone. Bah non, moi, haut-parleur, avec les mots que j'avais, c'était genre enceinte, son, et je me disais, ah ouais, tu sais, ça sort. J'aurais jamais trouvé. Par contre, tu m'aurais dit, tu vois, ouais, bah j'y ai pas pensé. Que... Et mes concierges, je voyais, mais ça sortait pas de ma bouche. Ça sortait pas. Ça... Voilà, ça restait là, et voilà. Voilà, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Lucie. Nous avons fait un Time's Up qui était très 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 drôle. Claire. Et voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.